Attends, Tanti Linda. Hey, bande de calais, ça zo lukaot. Ça fait plaisir, oh, Tanti Linda, dans un fan. Merci je suis beaucoup. Un gros fan. Pesa ngana lo sako. Ah, lo sako Tanti Linda. Pesa ka mwasi mombongo te a côté kanyoso. Wana mwasi ya mabe. Wana mwasi ya mabe. Lo sako Tanti Linda. Pongi ya bonzemba loboko na kaleso e. Pesa ngana lo sako. Wana na ebite. Lo sako. Basi ya sango esengo wa papi na Vatican. Pesa ngana lo sako. Wande mingi mingi na komprena te. Me lo sako kaka Tanti. Yesu nekulusu bo mionga ba pasteur. Pesa ngana lo sako. Wampe na solusi utu na bandal. Lo sako Tanti Linda. Moko nzambo ka bimisi dofe. Ngana bimisa dofini. Isongolo. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue à votre émission Place des Artistes, le magazine d'information culturelle sur CNTV et sur La Douce TV sur YouTube. Je m'appelle Joseph Fouila, celle douce que vous connaissez. Le plaisir est pour moi de vous retrouver ce dimanche. Il fait beau à Kinshasa, le soleil est au rendez-vous et vraiment je suis dans la joie de vous présenter ces magazines. Pourquoi je suis contente? Parce que ce dimanche c'est un dimanche spécial. Je vais recevoir des gens que vous aimez beaucoup, que vous avez vraiment réclamé, que Gisèle, on a besoin de cette personne, on a besoin de tel et tel et tel, et j'ai vraiment voulu vous faire plaisir. Donc, ce dimanche, on va parler musique, on va parler société, on va parler de beaucoup de choses à travers les invités que je préparais pour vous ce dimanche. Alors, de retour sur ces plateaux, je crois que cette très belle chanson a pu révolutionner beaucoup et puis ça a marqué plus d'un et aussi ça fait plaisir aux sponsors de cette émission, le Copperfield d'Afrique, je dirais même plus le Copperfield du monde, Kyle Inga, mon boss, qui est déjà à Kinshasa, Nabisibino, Marambabi, Zakoya, pour ressentir différence, Yamoussala. Avec action, donc avec le Copperfield Kaileing à mon boss, bon dimanche à toi. Alors mesdames et messieurs, je m'en vais rapidement inviter, je peux dire, je vais encore me répéter, mon invité de ce dimanche, Alès qui est là. Wow, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Bonjour à tous les à tous les téléspectateurs. Fallait dire auditeurs, hein. Ouais. Non mais ça, mingi na moi radio, tout ça là. Donc, téléspectateurs, nous sur CMTV, YACNTV. En tout cas, bonjour, grand merci. On est là pour vous satisfaire. Toujours y a rapport, y a réclamation à Bango. Et ben, ce dimanche, on a préféré être avec vous. Voilà. Alors il est là, il s'appelle Alesh. Bilo kaboye bo monate, mavi kaboye bo monate, makamba boye bo yarate, bolo ba o, bolo ba te. Trop voté les sous. Voilà, c'est bien lui l'artiste, il est avec nous. On va essayer un peu de parler. Mais Alesh, je te vois libre. Moi je te croyais en prison. Hein. Je suis libre, je suis libre. Non, et Panzani, tout mboka, tout mokili, tout le monde que Alesh, après ta chanson, yo, na minute oza makala. Moi, je te vois en pleine forme et tout, je suis étonné. Hein. Non, mais il y a une question à bar rumeur, au fait. De masananga damu manero, aloba, toujours bar rumeur. Les gens, par moment, ils racontent n'importe quoi. Bah, raconte à Makamo, deux fois, bah, maîtrisé, t'es. Mais bon, Kinea Mounene, on a plus de 10 millions d'habitants et je ne peux pas être partout pour démentir et dire aux gens que voilà, Naza libre, voilà, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, Banakin, Banamonde, parce qu'il y a également beaucoup de Congolais de la diaspora qui m'ont appelé. Naza n'a bien, Naza libre, Bakangangate, et puis voilà. Ben, inquiétant ou même pas. C'est ben, inquiétude par moment, Yaka. Faut être franc, par moment, ben, inquiétude, Yaka. Mais ce qui est important, c'est qu'on est libre. Parce que les citoyens, au-delà de l'artiste, ne sont pas les gens qui ont dit que les artistes ont mis sur la société et ont la chronique sociale. Donc, pour nous, nous sommes sur la société et c'est important pour nous. Et je le dis de sorte, nous sommes bêtes. Ce qui veut dire que dans ma manière de dire les choses, je fais vraiment en sorte de ne pas heurter certaines sensibilités, mais en même temps et surtout de ne pas être en dehors de la loi. Parce que. Question, moi on a posé à Batou. Ouais, vous dites que bah kanyenga mais bah kanyelanga nini.
qu'ai-je fait pour Bakanganga? Tu vois, donc il y a pas de raison pour Bakanganga. Je ne fais pas d'affirmation gratuite. Natanga akomwa mutu na banze munangate. J'expose des faits. Et puis ces faits que j'expose, je me permets également de parler à certaines personnes quand je dis bas député za komwa mututé. Mais c'est une classe sociale des personnes où ngana yo to mandata na parlement pour balobela makam na biso. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que Bakomi plus dépendant na ba parti politique na bango que na biso. Parce que ça veut dire mutazala boss ya député et za peuple. Donc oh bat baloba ouais, on a député à opposition, on a député à majorité et za la té oza député ya peuple. Parce que c'est peuple té mobulu. Alors moi je veux te dire que ba fait oyo dénonçaka ça lèse certaines personnes et puis ils ont dérangé sensibilité na bango, mais on y reviendra tout au long de cette émission. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Alesh, ba monyo lelo ba à travers ton morceau nde ba eko découvrir, j'aimerais savoir qui est Alesh au fait. C'est quoi ton parcours au banda wa puis pourquoi tu as la musique et banda ndene bete absolu solo na. Bon, déjà Alesh azar artiste musicien professionnel. Ça fait 16 ans, je dis bien 16 ans que je le fais. Et pendant 16 ans. Et pour ma pierre, bah, anecdote, mon konala artiste hip-hop congolais Yali Bosso, oza basé na pays, oza la tournée na États-Unis. Tu vois, donc ça veut vraiment dire 15 artistes, 15 concerts na East Coast Mobimba, le tout premier artiste congolais basé au Congo qu'il a fait. Et ça, c'était il y a 6 ans, en 2012. Okay. En 2014, j'ai eu la chance, par exemple, à travers la musique, l'engagement social, j'ai eu la chance de rencontrer le président américain Barack Obama à l'époque, donc à travers la musique. Et Napia et cadeau, il y a CD, il y a album, Liboso, La mort dans l'âme, ou écoutant la Maison Blanche et tout ça. Bref, na nouveau venu. Je suis vraiment un ancien, Nabana Makamo, moi Kala. Mais après, ce qui est vrai, c'est que j'ai beaucoup tourné en Europe, na tourna mingi na partie Est et RDC, parce que fait, na banda carrière musicale, na wana. Et Lelo a décidé, car ça fait une année que j'ai décidé de changer le format de ma musique. Parce qu'avant, par exemple, na banda okoma mingi na français, na anglais, wana ya omte fungola na monde, na beta na ba scène internationale et belé. Mais là, je me suis dit, bon, tout kangana okin est important, on a besoin de misala un minimum de 2 millions de fans à Kinshasa. Et un jour, moi je me dis, en tout cas, ce martyr, il faut Tata Raphaël, minimum, tout bétaron. Et pour ça, ben voilà, tout comme commandou le Nalingala, tout comme m'y éloigner un tout petit peu na rap, parce que nga à la base naza rappeur, mais ça fait une année que je m'éloigne du rap. Nous, on a ça là, ils ont encore la musique, ils ont rap, ils ont encore la musique. C'est un bouillon de tout ça. Bref, voilà, c'est un tout petit peu ça l'idée de mon parcours. Na banda musique, na ana Kisangani, il y a très très longtemps, il y a 16 ans, justement. Et ça fait exactement 10 ans que na banda parcours, na un professionnel. Et quand je dis le parcours professionnel, ça veut vraiment dire tourner sur des scènes internationales. Je te donne un exemple. Nabeta concernant à Bristol, où j'étais le seul noir, Bristol en Angleterre, en 2014, où j'étais le seul noir. Au Monipena Festival, il y a à peu près 10 000 personnes, et tu es le seul noir. Et les gens te posent la question, where you come from? Genre, Outi Wapi. Et quand tu expliques aux gens qu'il y a Outi Congo, tu rencontres même des gens qui ne connaissent pas c'est quoi le Congo. Et du coup, on a obligé à quoi expliquer, Bango, vous savez, la seule nation au monde, tout ça, Naba Okapi, et tout ça, vous voyez. Bref, parler positivement du pays. Mais en même temps, ça ne nous empêche pas de pouvoir raconter la triste réalité. Voilà, et tout comme aujourd'hui, toi, on a fierté, par exemple, on a pris Nobel de la paix, à pays Nabisso, ouais. Docteur Mukwege, qui est mon papa, qui a travaillé avec mon père et qui m'a vu grandir, à 8 ans, 9 ans, 10 ans. Aujourd'hui, je suis quand même fier. Et ça, ma fierté, tu as encore présenté. Mais en même temps, quand il y a également des choses qui ne marchent pas dans notre pays, eh bien, tu as quand même sonité, on va parler de toutes ces choses-là qui marquent notre pays, qui fait mal surtout à Alesh. Et tu fais de la musique engagée. On sent par ta façon, par tes textes. Moi, j'aimerais savoir tout le texte, tu l'écris toi-même ou bien il y a des amis qui travaillent avec toi. Bon, sincèrement, ma texte, Nazana Facili.
vérité à comme un texte, ce qui veut dire que le texte n'a comme un long à beaucoup. Mais après, je reste très attentif. Si on a un studio, par exemple, équipe n'a un Mobimba, par exemple là, tu as Bagloire, Makunda, Badorlan, tout ça, Jean Tienda, équipe n'a un Mobimba, n'a garde à oreille attentive. Deux fois, n'a zala moi tranchant dans Malobananga, et eux, ils ont pour rôle au fait de me dire, écoute moi, n'a Iboma, Lilobo, ils a bien été, Lilobo, et qu'on crée. Même Bango Pebama, ça nous va comprendre que aux zala moi Malobamakasi, Malobé Chokaka. T'es Chokaka, t'es. Ils a ba vérité. Deux fois vérité, c'est à cause d'un diplomate pour nous le Bango. Je t'arrête là. Alès, je ne veux pas que tu ailles trop loin. Alès, tu as lancé une chanson. Tu titules ça comment? Wamote Amabe, Bilo Kwaboye. Voilà. J'aimerais savoir, c'est un album ou bien ce n'est que des tubes, des singles que tu lances comme ça? Parce que tout le monde a dit Mokonza Mote Mamabe. Mokonza Mote Mamabe. On a vu des gens sur internet, tiens, on a ba voiture, on a bango, banini et tout et tout. On a après cela suivi Bilo Kaboué. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu reproches à notre gouvernement. Quand tu dis Mokonza Mote Mamabe, tu t'attaques directement, tu vois un peu, non, au numéro 1 de ces pays. Parce qu'on gagne, on met tout dans le bang.